I know this sounds crazy. At one point, some people are like, what's going on with Antarctica? You can really go down a deep rabbit hole if you read about ice ages. Presence of Antarctica on ancient maps, because we didn't discover it until 1820. And there's a state trooper over here and wanted to talk to you. And they found these sod bones, a few of them. We got 15 of them now that they found. And that's where they say Eisenhower made a deal with these aliens. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. Numéro 10, les trous de glace de l'Antarctique. Dans les étendues glacées du pôle sud, il existe un phénomène étrange qui semble tout droit sorti d'un film à suspense de John Carpenter. Depuis des années, les scientifiques sont intrigués par l'apparition soudaine de trous massifs dans la glace. Ces trous, appelés polynies, peuvent s'étendre sur des milliers de kilomètres carrés et défier les attentes normales de la formation de glace chaque saison. Le mystère a commencé au début des années 1970, lorsque les satellites ont repéré pour la première fois un trou mystérieux dans la glace de la mer de Weddell, qui a disparu à l'arrivée de l'été. Cependant, l'événement le plus spectaculaire a eu lieu en 2018, pendant les mois d'hiver les plus froids, lorsqu'un trou colossal de près de 9600 km² est apparu dans la banquise. En l'espace de 2 mois, il s'est étendu de 1900 km² supplémentaires avant de se rétrécir à nouveau avec l'arrivée de l'été. Les scientifiques ont tenté de découvrir la cause de ces trous bizarres. Des chercheurs de l'Université de New York à Abu Dhabi pourraient avoir percé le mystère en utilisant des données satellites et une analyse minutieuse. Ils ont découvert que ces trous transitoires sont probablement formés par des tempêtes cycloniques. En septembre 2017, des affrontements entre des masses d'air chaud et froid au pôle sud ont créé des vents cycloniques atteignant des vitesses de 115 km/h et des vagues de 16 mètres de hauteur. Ces vents puissants ont poussé la glace antarctique dans différentes directions, créant des ouvertures dans la banquise. Bien que ces trous puissent sembler spectaculaires, ils jouent un rôle crucial dans l'écosystème. Les polynies agissent comme des passerelles entre l'océan et le ciel, fournissant des passages pour la faune, comme les phoques et les manchots, et même des habitats pour le phytoplancton. De plus, ces ouvertures peuvent avoir un impact sur l'atmosphère et peuvent servir d'indicateur du changement climatique. Le lien entre les polynies et les cyclones suscite des préoccupations concernant le changement climatique. À mesure que la planète se réchauffe, l'activité cyclonique autour des pôles devrait s'intensifier. Cela pourrait entraîner des événements de polynies plus fréquents, potentiellement perturbant les modèles climatiques et affectant un plus large éventail de processus atmosphériques et océaniques. En 2018, une personne qui avait travaillé au pôle sud a partagé une histoire incroyable avec la journaliste Linda Moulton Howe. Cette personne a choisi de rester anonyme car les informations étaient considérées comme hautement confidentielles. Selon elle, en août 2003, elle et son équipe étaient en mission secrète déguisée en voyage de recherche. Au cours de cette mission, ils sont tombés sur une grande structure sombre dépassant de la glace. Ils se sont regardés, stupéfaits, et ont décidé d'enquêter. La structure avait de grandes portes carrées qui se glissaient dans les murs lorsqu'elles étaient de poussée, révélant un long couloir à l'intérieur. L'intérieur était éclairé d'une étrange lumière verte qui ne semblait pas provenir d'une source spécifique. Les murs étaient couverts de hiéroglyphes étranges que personne ne pouvait reconnaître. C'est une histoire incroyable. Mais étant donné que l'Antarctique est l'un des endroits les plus reculés et inhabités de la Terre, il pourrait être un lieu idéal pour que des êtres extraterrestres opèrent sans être remarqués. Numéro 9. Les mystérieuses pyramides de l'Antarctique. Il existe une idée intéressante selon laquelle le gouvernement cacherait peut-être des bâtiments triangulaires en Antarctique, que l'on pense avoir été construits par un groupe ancien et mystérieux. La Grande Pyramide en Antarctique est une découverte étrange et controversée qui a intrigué à la fois les scientifiques et les théoriciens du complot. Elle reste l'un des plus grands mystères de ces dernières années. En 2009, des images satellites ont révélé ce qui semblait être une immense pyramide en Antarctique, suscitant la curiosité et le débat. La structure ressemble remarquablement à une pyramide,
avec quatre côtés triangulaires clairs, similaires aux célèbres pyramides d'Égypte. Sa forme symétrique et sa taille ont amené certains à croire qu'elle ne pouvait pas être une formation naturelle. L'une des choses les plus fascinantes à propos de la pyramide antarctique est son emplacement. L'Antarctique est connue pour son climat brutal et ses paysages désolés, ce qui en fait un lieu improbable pour une telle structure grandiose. La présence de la pyramide soulève des questions sur le passé du continent et suggère qu'une civilisation perdue aurait pu prospérer là-bas bien avant qu'il ne devienne la terre glacée que nous connaissons aujourd'hui. Il existe de nombreuses théories sur la pyramide antarctique. Certains pensent qu'elle pourrait être la preuve d'une ancienne civilisation dotée d'une technologie avancée, tandis que d'autres croient qu'elle pourrait provenir d'extraterrestres. D'un autre côté, les sceptiques soutiennent que la forme pyramidale pourrait être due à des processus naturels ou à une illusion d'optique créée par la lumière et les ombres sur l'image satellite. En 2016, une autre découverte stupéfiante a été faite. Mais cette fois, la découverte de ces structures a été rendue publique. Trois énormes formes triangulaires ont été trouvées, l'une d'elles s'élevant à plus de 1200 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est plus de 10 fois la hauteur de la célèbre grande pyramide de Gizeh en Égypte, ce qui en fait une découverte énorme. Officiellement, le gouvernement affirme que ces formes sont naturelles et qu'il n'y a aucune trace de groupes anciens en Antarctique. Mais beaucoup de gens pensent différemment. Les structures sont si parfaitement formées qu'il est difficile de croire qu'elles se sont formées naturellement. Cela suggère qu'elles ont été construites par un groupe très avancé et intelligent qui a vécu en Antarctique il y a peut-être 100 000 millions d'années, peut-être même les Anunnaki. Les théoriciens du complot suggèrent que l'Antarctique aurait pu se trouver autrefois au milieu de la Terre, ce qui aurait rendu les conditions plus favorables pour y vivre et y construire. De plus, si le gouvernement cache intentionnellement ces structures et les informations les concernant sur Google Earth et d'autres moteurs de recherche, ils doivent dissimuler quelque chose d'important. Cela pourrait être des secrets de l'univers, un remède contre le cancer ou même une source d'énergie renouvelable, mais nous ne connaîtrons la vérité qu'avec le temps. Numéro 8. Les signaux inhabituels. L'Antarctique impulsive transient. Antenna, expérience ANITA, est un projet financé par la NASA. Il implique un groupe d'antennes montées sur un grand ballon qui survole l'Antarctique. Son objectif est de capter les signaux radio émis par les particules à haute énergie provenant de l'espace lorsqu'elles interagissent avec l'atmosphère terrestre. Lors de ses vols en 2006 et 2014, ANITA a détecté des signaux inhabituels semblant provenir de sous la surface, ce qui était surprenant. Normalement, on s'attendrait à ce que ces signaux proviennent de l'espace lui-même. Les scientifiques ont également utilisé un autre outil appelé IceCube, un télescope à neutrinos équipé de capteurs enfouis près du pôle sud. IceCube est conçu pour détecter les faibles éclairs de lumière produits par les particules traversant la glace, en particulier les neutrinos. L'idée était que si les signaux d'ANITA étaient causés par des neutrinos, IceCube devrait détecter des signaux similaires. Cependant, après avoir examiné les données sur 8 ans, aucun signal correspondant n'a été trouvé dans IceCube. Le physicien Justin Vanderbroek, de l'Université du Wisconsin-Madison, a souligné que si les signaux d'ANITA provenaient de l'espace, IceCube aurait dû les détecter, mais cela ne s'est pas produit. Cette différence reste un mystère que les scientifiques n'ont pas encore résolu. Certaines théories suggèrent que les signaux pourraient être des ondes radio rebondissant à travers des grottes ou des lacs cachés sous la glace. D'autres proposent même un lien avec la matière noire, qui compose la majeure partie de la matière de l'univers, mais n'a jamais été directement observée. Il existe également une idée plus intéressante suggérant que ces particules pourraient provenir d'un univers parallèle, peut-être une copie miroir d'une autre, ce qui pourrait expliquer pourquoi les signaux proviennent d'en bas plutôt que d'en haut. Ce phénomène continue de déconcerter les scientifiques, ajoutant à l'attrait de la recherche. Le fait qu'il n'y ait toujours pas de réponse claire en fait un défi fascinant pour la communauté scientifique. Dans notre discussion précédente sur d'anciennes civilisations très avancées en Antarctique,
beaucoup pensent qu'il pourrait y avoir une ville perdue de l'Atlantide cachée sous le continent glacé. Cette idée devient plus populaire lorsqu'on considère que l'Antarctique était autrefois beaucoup plus chaud et situé plus près de l'équateur. L'Atlantide, décrite comme une ville chaleureuse dans les anciens textes, aurait prospéré dans un climat plus chaud à l'époque ancienne, contrairement aux conditions glaciales que nous voyons aujourd'hui. En poussant plus loin, selon les écrits de Charles Apgood, on pense que les habitants de l'Atlantide ont quitté l'Antarctique à mesure que les températures se refroidissaient. Ils se sont rendus dans des civilisations comme les empires aztèques, mayas et égyptiens, cherchant à préserver leur savoir et leur peuple. Cette migration pourrait également expliquer les similitudes dans les compétences avancées, les enseignements et les structures anciennes de ces empires pour leur époque. Numéro 7. Découverte de nouvelles espèces. En 2021, quelque chose d'incroyable s'est produit en Antarctique. Un groupe de scientifiques néo-zélandais explorait la barrière de glace Larsen lorsqu'ils ont fait une découverte extraordinaire. À l'aide d'un tuyau d'eau chaude, ils ont foré environ 500 mètres dans la gigantesque couche de glace de la péninsule antarctique. Ce qu'ils ont trouvé était un monde caché, jamais vu auparavant par des yeux humains. Ils ont envoyé une caméra dans le trou qu'ils avaient foré, s'attendant à capturer des images des profondeurs glaciales. Cependant, ils ont rapidement remarqué quelque chose de surprenant. Leur vue était obstruée. Au début, ils pensaient que leur équipement pouvait être défectueux, mais en y regardant de plus près, ils ont découvert la raison. Des centaines de petites créatures ressemblant à des crevettes nageaient dans l'eau. Ces créatures, scientifiquement appelées amphipodes, sont de petits crustacés. Trouver de telles formes de vie prospérant sous la glace antarctique a été un moment passionnant pour l'équipe. Ils ne s'attendèrent pas à trouver un écosystème aussi dynamique dans un environnement aussi rude. Ce fut une découverte véritablement révolutionnaire. Il existe une théorie du complot intéressante qui prétend que l'Antarctique est l'entrée cachée d'un monde mystérieux à l'intérieur de notre planète. En janvier 2019, la NASA a annoncé que des scientifiques avaient découvert deux énormes cratères profondément enfouis sous l'épaisse glace de l'Antarctique. Ces cratères ont été repérés pour la première fois par des chercheurs en 2006 et serait le résultat d'un gigantesque astéroïde qui a frappé la Terre il y a des millions d'années, provoquant l'extinction des dinosaures. Cependant, les théoriciens du complot proposent une explication bien plus intrigante pour ces cratères. Ils croient que ces cratères sont des entrées secrètes vers la Terre intérieure, où une base cachée existe, similaire à celle utilisée à des fins sinistres pendant la Seconde Guerre mondiale. Si cette idée semble incroyable, un rapide coup d'œil à certains documents historiques pourrait la rendre plus crédible. Au-delà de cette supposée base, la théorie va encore plus loin. Certains pensent qu'à l'intérieur de la Terre se trouve un paradis tropical luxuriant, un refuge pour l'élite riche et puissante de notre monde. Ce royaume caché serait un lieu d'excès et d'indulgence, accessible uniquement à ceux qui possèdent une immense richesse et influence. Imaginez un monde secret et parfait juste sous nos pieds, réservé aux membres les plus privilégiés de la société. C'est une idée fascinante qui continue de captiver l'imagination de beaucoup. L'officier de la marine américaine Richard E. Byrd a fait des rapports fascinants après son expédition au pôle sud, connue sous le nom d'opération High Jump. Officiellement, cette mission, qui s'est déroulée de 1946 à 1947 sous la direction de l'amiral Byrd, avait pour objectif d'établir une base de recherche et de former le personnel à gérer les conditions extrêmes de froid. Mais il y avait plus que cela. Selon certaines théories, l'opération High Jump n'était pas seulement une simple mission de recherche. Au contraire, il s'agissait d'une opération militaire secrète visant à enquêter sur une société cachée sous la glace de l'Antarctique. Cette histoire suggère que Byrd et son équipe aurait volé dans une entrée souterraine menant au centre de la Terre, découvrant un lieu souvent appelé la Cité de Cristal. Dans ce monde caché, ils auraient prétendument rencontré des êtres extraterrestres et des engins étranges. L'environnement était totalement différent de la surface glaciale, avec des forêts luxuriantes. Après avoir fait ces incroyables découvertes, Byrd aurait été contraint de garder le secret. L'histoire étonnante n'est apparue que des années plus tard,
lorsque le journal de Byrd dans lequel il décrivait ses expériences a été découvert. Parlons à nouveau de ces cratères en Antarctique. Certaines personnes ont des idées très originales à leur sujet. Elles ne pensent pas que ces cratères soient des voies d'accès au centre de la Terre ou des bases militaires secrètes avec de terribles intentions. Au contraire, elles croient que ces cratères sont des bases secrètes pour les ovnis extraterrestres. Scott Waring, un théoricien du complot sur les ovnis, a une théorie particulièrement intéressante. Il pense qu'un ovni, et non un astéroïde, a créé l'un de ces cratères lorsqu'il s'est écrasé sur la Terre et s'est retrouvé enfoui sous la glace. Selon lui, le gouvernement utilise maintenant ce cratère pour stocker d'autres ovnis et cacher la preuve de la vie extraterrestre et de ses activités. Waring a même affirmé qu'il avait vu une photo non modifiée du cratère où un ovni était visible. Cependant, il affirme que toutes les traces de ce vaisseau spatial ont depuis été effacées d'Internet. Cette théorie ajoute une touche mystérieuse et passionnante à l'histoire de ces cratères en Antarctique. Numéro 6. L'étrange organisme 46B. L'organisme 46B est une légende urbaine effrayante à propos d'une étrange créature marine que les scientifiques russes auraient soi-disant découverte en forant dans le lac Vostok. Cette créature est décrite comme étant une sorte de méduse, ressemblant presque à un énorme calmar, avec un venin extrêmement puissant. Elle serait également capable de changer rapidement de forme et de ressembler à d'autres animaux marins. Selon la légende, l'organisme 46B chasse de manière très inhabituelle. Il peut étendre de longs bras fins depuis son corps pour paralyser et ensuite dévorer sa proie. L'histoire raconte que les scientifiques russes ont tenté d'étudier cette créature pour comprendre son fonctionnement et peut-être utiliser ses capacités comme arme. Cependant, leurs expériences auraient mal tourné, entraînant la mort de plusieurs chercheurs. Finalement, le gouvernement russe aurait dissimulé l'incident dans son intégralité. L'une des théories les plus intrigantes suggère que toute l'Antarctique est un gigantesque site d'essais d'armes non éthiques. Selon cette théorie, la raison pour laquelle l'Antarctique est si inaccessible n'est pas à cause de préoccupations environnementales, mais parce que les dirigeants mondiaux collaborent avec des scientifiques brillants mais immoraux. Ensemble, ils seraient en train de créer des armes inimaginables, allant d'explosifs bien plus meurtriers que les plus grandes bombes nucléaires à des implants cérébraux ou des produits chimiques dans notre eau qui rendraient les gens aveuglément fidèles à l'élite. Imaginez les armes les plus effrayantes que vous puissiez imaginer. Elles sont soit déjà en Antarctique, soit en cours de développement là-bas. Cette idée est terrifiante, surtout quand on considère que les gouvernements ont déjà utilisé des lieux secrets pour tester des armes dangereuses. Numéro 5. Une nouvelle bactérie étonnante. Les scientifiques ont fait une découverte stupéfiante en Antarctique. Un nouveau type de bactérie qui peut survivre uniquement grâce aux gaz présents dans l'air. Des chercheurs de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie ont découvert ces microbes extraordinaires. Ces minuscules organismes vivent dans certaines des conditions les plus extrêmes de la planète, où les sources de nourriture et d'énergie sont extrêmement rares. Ils survivent en consommant l'hydrogène, le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Malgré le froid glacial, le manque d'eau, les mois d'obscurité, les radiations ultraviolettes intenses et les cycles constants de gel et de dégel, ces bactéries parviennent à prospérer. Cette découverte soulève des questions fascinantes. Comment ces organismes peuvent-ils vivre sans source d'énergie traditionnelle comme la lumière du soleil? Pour enquêter, les scientifiques ont prélevé des échantillons de sol dans deux zones sans glace de l'Antarctique, à savoir Robinson's Ridge et Adams Flat. Ces emplacements ont été choisis parce qu'il manque des sources alimentaires microbiennes habituelles. Grâce à une analyse génétique détaillée, les chercheurs ont cartographié l'ADN de 23 différents microbes trouvés dans le sol. Ils ont identifié deux nouveaux groupes de bactéries, nommés WPS2 et AD3. Ce qui a le plus surpris les scientifiques, c'est l'efficacité avec laquelle les bactéries dominantes pouvaient extraire l'hydrogène et le monoxyde de carbone de l'air, suffisamment pour subvenir à leurs besoins. Ces bactéries prospèrent dans un environnement sans lumière solaire
énergie géothermique ou nutriments. Numéro 4. Les montagnes fantômes. Quand nous pensons aux montagnes, nous imaginons des sommets élevés atteignant les cieux. Les chaînes de montagnes créent souvent de magnifiques décors pour de nombreux lieux et destinations incroyables. Certaines des personnes les plus aventureuses escaladent même ces sommets dangereux pour le frisson de l'aventure et la découverte scientifique. Sous la glace de l'Antarctique se trouve une chaîne de montagnes acérées, similaire aux Alpes européennes, mais cachée sous la glace. Cette découverte suggère que l'immense calotte glaciaire s'est formée extrêmement rapidement, ce qui remet en question ce que les scientifiques pensaient auparavant et soulève des inquiétudes quant à l'impact du réchauffement climatique sur le niveau de la mer. Les scientifiques, utilisant des radars et des capteurs de gravité, se sont lancés dans une mission unique pour cartographier les montagnes subglaciaires de Gamburtsev. Ils s'attendaient à trouver une zone plate, mais à la place, ils ont découvert un paysage rempli de pics et de vallées, semblable aux Alpes européennes. Fausto Ferraccioli, un géophysicien de la British Antarctic Survey, a noté que ces sommets dentelés et intacts indiquaient que la calotte glaciaire s'était formée rapidement, préservant le paysage accidenté sous jusqu'à 4 km de glace. Cette découverte ouvre un nouveau chapitre dans la compréhension du comportement des calottes glaciaires. Géologiquement, les chaînes de montagnes comme les Alpes et l'Himalaya se forment lorsque les continents entrent en collision. La dernière collision de l'Antarctique avec d'autres masses terrestres a eu lieu il y a environ un demi-milliard d'années. Ce qui intrigue les chercheurs, c'est que, bien que les Alpes soient relativement jeunes, n'ayant que 50 à 60 millions d'années, la chaîne de montagnes Gamburtsev pourrait être aussi ancienne que 500 millions d'années. Numéro 3. Le glacier de l'Apocalypse. Le glacier Thwaites de l'Antarctique, souvent appelé le glacier de l'Apocalypse, est une immense formation de glace située dans la partie ouest du continent. Ce glacier a attiré l'attention mondiale en raison de son potentiel à faire considérablement augmenter le niveau des mers, ce qui suscite des inquiétudes quant à ses effets catastrophiques sur la Terre. Le glacier Thwaites est colossal, s'étendant sur environ 120 km à son point le plus large. Ce qui le rend particulièrement important, c'est sa glace en mouvement rapide et son rôle de barrière retenant une grande partie de la calotte glaciaire de l'ouest de l'Antarctique. Si le glacier Thwaites devait se réduire ou s'effondrer de manière significative, il pourrait entraîner les glaciers voisins à s'écouler dans l'océan, provoquant une hausse du niveau des mers à l'échelle mondiale. Le surnom de « glacier de l'Apocalypse » souligne les inquiétudes sérieuses concernant Thwaites. Bien que les scientifiques ne sachent pas exactement à quelle vitesse ou à quel point le niveau des mers pourrait augmenter, ils savent que le glacier est vulnérable. Les eaux océaniques chaudes font fondre sa glace flottante par en dessous, ce qui entraîne un recul du point où le glacier rencontre la mer. Le glacier Thwaites est un élément crucial de l'Antarctique, et ce qui lui arrivera pourrait avoir de grandes répercussions sur les zones côtières du monde entier. Bien qu'il ne provoque peut-être pas à lui seul un scénario apocalyptique, il sert de rappel frappant des impacts du changement climatique. Prédire ce qui arrivera au glacier est un défi de taille, et les scientifiques travaillent dur pour comprendre les processus complexes qui contrôleront son avenir. Numéro 2. La fosse de Sandwich du Sud et les rivières sous-marines. La fosse de Sandwich du Sud est une partie très profonde de l'océan, située dans le sud de l'Atlantique, près des îles Sandwich du Sud. Ce mystérieux canyon sous-marin n'a été découvert que récemment, à la fin du XXe siècle. Les scientifiques ont commencé à la cartographier complètement dans les années 1980 en utilisant des outils spéciaux pour mesurer l'activité sismique. Depuis lors, la fosse a fasciné les chercheurs par ses caractéristiques géologiques surprenantes et son importance pour l'océan. Ce qui rend la fosse de Sandwich du Sud si intéressante, c'est qu'elle se trouve à l'endroit où deux grandes plaques de la croûte terrestre se rencontrent. Ici, la plaque sud-américaine glisse sous la plaque Sandwich du Sud. Ce processus, appelé subduction, entraîne souvent des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et d'autres signes de troubles géologiques. C'est pourquoi la fosse et la région qui l'entoure
suscitent un grand intérêt chez les scientifiques qui continuent de l'étudier pour en apprendre davantage. Explorer la fosse de Sandwich du Sud est particulièrement difficile, car elle se trouve dans une partie éloignée de l'océan. Le temps y est souvent rude, avec des températures glaciales et des mers agitées, ce qui rend l'accès et l'étude difficiles pour les chercheurs. Sa grande profondeur et sa proximité avec les îles Sandwich du Sud, elles-mêmes isolées et volcaniques, font qu'une grande partie de la fosse reste inexplorée. Les scientifiques se demandent encore ce qui pourrait vivre dans ces eaux sombres et glaciales. Les rivières sous-marines, également appelées rivières subaquatiques, sont des cours d'eau cachés qui coulent sous la surface de l'océan ou à l'intérieur de grottes immergées. Ces courants mystérieux, entraînés par les différences de salinité et de température, créent des écosystèmes uniques et transportent des sédiments sur de grandes distances, influençant la dynamique océanique. Bien qu'elle ne soit pas extrêmement courante, les scientifiques et les plongeurs en connaissent l'existence. Cependant, découvrir une rivière de ce type en Antarctique est véritablement remarquable. Cette rivière subglaciaire particulière en Antarctique est une merveille naturelle, encore plus impressionnante que la puissante Tamise. S'étendant sur plus de 460 km et se jetant dans la mer de Weddell, son existence a été révélée grâce à un radar pénétrant la glace lors de relevés aériens. Ce qui rend cette découverte si fascinante, c'est que sous l'épaisse couche de glace apparemment impénétrable, se cache un système de rivières complexes et interconnectées qui prospèrent comme si les couches de glace au-dessus n'existaient pas. En explorant ce réseau glacé, nous réalisons que le bassin de drainage de cette rivière est vaste, équivalent à la taille de la France et de l'Allemagne réunies. Cela soulève des questions importantes qui pourraient avoir des implications mondiales. La rivière coule sous quatre énormes courants glaciaires: le courant de glace de l'Institut, le courant de glace de Müller, le glacier de Support Force et le courant de glace de la Fondation. Lorsque ces frontières glaciales reculent, la rivière émerge sous la plateforme de glace dans la mer de Weddell. Cette rivière sous la glace pourrait avoir un impact significatif sur l'avenir de notre planète. Si cette rivière cachée venait à fondre, elle pourrait entraîner une augmentation stupéfiante de 14 mètres du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Bien qu'un tel changement dramatique ne se produirait pas du jour au lendemain, cela ajoute une couche d'incertitude à mesure que nous affrontons les effets d'un climat qui se réchauffe. Numéro 1. L'anneau de glace et de feu. En 2017, des scientifiques de l'Université d'Édimbourg ont fait une découverte étonnante. Ils ont trouvé près d'une centaine de montagnes cachées, enfouies à 2 km sous la surface glacée de l'ouest de l'Antarctique. Certaines de ces montagnes sont aussi hautes que le célèbre Cervin en Suisse, atteignant près de 4000 mètres de hauteur. Cette découverte suggère que l'ouest de l'Antarctique possède une chaîne de montagnes formée par des volcans plus grandes que les crêtes volcaniques plus célèbres de l'Afrique de l'Est. Bien que ces volcans soient inactifs depuis des milliers d'années, les chercheurs ont averti que s'ils se réactivaient, cela pourrait avoir de graves conséquences pour la région. Une éruption pourrait rendre les calottes glaciaires déjà fragiles de l'ouest de l'Antarctique encore plus instables, entraînant davantage de glace dans la mer et accélérant l'élévation du niveau de la mer. L'étude a commencé avec une idée proposée par un jeune étudiant de l'Université d'Édimbourg, Max van Wyk. Les chercheurs ont utilisé un radar capable de voir quand dans l'ouest de l'Antarctique que ce que l'on connaissait. Ces montagnes sous la glace mesurent entre 100 et 3800 et qu'ils ont connu plus d'éruptions volcaniques à mesure que la glace a disparu. L'ouest de l'Antarctique, qui se réchauffe déjà en raison du changement climatique et qui rend la glace moins stable, pourrait commencer à faire de même. Si la glace diminue, il pourrait y avoir moins de poids sur les volcans endormis et ils pourraient commencer à se réveiller. Si cela se produit, cela pourrait rendre les calottes glaciaires encore plus instables et provoquer ainsi. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour voir d'autres vidéos incroyables comme celle-ci.